L'Institut Auguste Armand s'apprête à accueillir un nouveau membre. Après les départs de Clément Rémien, Maxime, et de Lucia Passaniti, Noémie, un petit nouveau va faire son arrivée dans le feuilleton de TF1. À partir du mardi 22 mars prochain, le jeune Axel va venir bouleverser le quotidien d'Emmanuel Tessier. Car, comme l'a dévoilé la chaîne dans un extrait, le neveu du directeur de l'Institut va débarquer sans prévenir. Et il compte s'installer pendant un bout de temps. Je voulais voir ta gueule saoulée en direct, donc je me suis dit, go pour la visite surprise, lance notamment le jeune homme dans les premières images dévoilées. Si tu insistes, je reste quelques jours. Quelques semaines même. Vous avez une chambre d'amis? En réalité, la visite d'Axel n'est pas désintéressée. S'il s'est tourné vers son oncle, si est-il parce qu'il s'est brouillé avec son père. Mais comme les téléspectateurs peuvent s'y attendre, l'arrivée d'Axel ne va pas plaire à l'autoritaire Emmanuel Tessier. Si mon frère apprend qu'il est ici, ça va forcément me retomber sur la gueule, s'agace-t-il d'ailleurs peu après l'arrivée du jeune homme. D'autant que son neveu devrait se retrouver au cœur de plusieurs intrigues. Et risque de faire craquer les filles de l'Institut. Et notamment Jasmine, Zoé Séverin. Bien décidée à se rapprocher d'Axel, la jeune maman va même organiser un bal au sein de l'établissement. Arrivera-t-elle à ses fins ? Rien n'est moins sûr car Axel va être également convoité par Salomé, Aurélie Ponce. Ici tout commence, qui incarne Axel Tessier? Pour incarner le rôle d'Axel Tessier dans Ici tout commence, TF1 a choisi Thomas Da Costa. À 23 ans, ce jeune artiste va donc faire ses premiers pas devant une caméra de la télévision dans la peau du neveu d'Emmanuel. Il y a quelques années, dans son CV en ligne, il révélait être étudiant à la Sorbonne. Magicien depuis sa plus tendre enfance, le jeune homme est aussi un musicien puisqu'il joue du trombone en conservatoire. Je suis quelqu'un d'artistique qui aime attirer l'attention et transmettre des émotions, écrivait Thomas Da Costa, qui se disait très à l'aise devant l'objectif. Acteur donc, le jeune homme est également rappeur. Après avoir dévoilé son premier titre, il prépare un EP pour les prochaines semaines.